matières fragmentées, en anglais, littérature, ou maths, ou sport, etc. On voulait créer une école où les enfants ont de la joie dans l'acte d'apprentissage. On va de l'expérience, qui est subjective, et on passe du concret à l'abstrait, et non le contraire dans l'éducation classique. Ce qui est très important aussi, c'est la motivation. Et la motivation, elle vient justement du réel. L'idée des projets, donc de lier à travers un projet plusieurs disciplines, c'est que là, ça a un sens. Ce sont ces données qui vont permettre de développer d'autres types de connaissances. Cette diversité est notre première ressource d'apprentissage à l'intérieur du groupe. Ça, c'est formidable parce que c'est un outil de cohésion sociale où une communauté vient ensemble et se retrouve et construit ensemble un savoir, une connaissance, une compréhension du monde et cette compréhension qui va se traduire dans la création du monde de demain. J'attendais des résultats corrects, mais tous nos étudiants sont entrés à l'université. Et tous nos étudiants, y compris les plus médiocres, non seulement ont obtenu leur admission à l'université, mais après être entrés à l'université, on a eu des retours de ces universités, y compris de grandes universités, qui nous ont dit que vos étudiants sont absolument brillants. On a essayé de comprendre d'où ça vient, et c'est leur confiance qui leur permet de réussir. Jusqu'à presque la seconde, on ne donnait pas des points ou des grades ou des notes. Et ça a beaucoup aidé les enfants parce qu'ils recevaient un feedback qualitatif et en même temps, il n'y avait pas une hiérarchie entre les enfants. Et aussi, on a utilisé beaucoup la passion des enfants dans leurs projets. On a laissé la liberté. Comme ça, ils avaient un espace où ils pouvaient briller aussi.